fair play, on est là pour s'amuser, pour se faire du bien. C'est un accueil de jour, il y a un groupe de parole, je participe et ils m'ont proposé de jouer pour le secours. Être dans cet espace où on partage sa passion qui est le football, ça aide à ce que les gens ne puissent pas trop imaginer des trucs du passé, vous voyez un peu. C'est un temps qui nous régale, donc c'est vraiment une activité importante. On essaye un peu de créer une certaine... amitié, une certaine solidarité, ça devient comme une nouvelle famille. C'est important de donner un petit coup de pouce à mon niveau, hein. Voilà, à travers bon, le noble sport du football. C'est un brise-frontière, quoi. Voilà. Il n'y a personne au milieu. L'esprit de compétition, on ne peut pas l'enlever dans le foot, c'est un sport. Le principal reste que ben, la magie de ce qui se vit aussi à la Caritas Cup, c'est qu'il voilà, y a des gens qui ne se connaissent pas du tout. Et finalement, ben, tout le monde se prend dans les bras quand il y a un truc chouette, tout ça. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on aimerait développer. C'est mi-temps, ça. Appelez votre main, il est bien. Bon appétit, votre attention, s'il vous plaît. On redémarrera à 14h30 avec les quarts de finale. On va débattre un ballon. Je suis responsable des maraudes en tant que Young Caritas Paris 7. Il y a des migrants, c'est le seul moment où ils peuvent trouver un peu de répit, s'amuser un peu. Je prends des Facebook, des numéros de téléphone et après on les relance et on les invite à venir jouer avec nous. Dès qu'il y a des tournois, à chaque fois les gens parlent de Yaya, le meilleur gardien. Ça me fait plaisir de jouer avec l'équipe de Sainte-Catholique. C'est du bonheur, il y a la joie, il y a la tour, c'est ça.